Allez, hop, c'est reparti. Alors, j'ai fait les petits papiers. Donc, Marie-Yvonne, hop, ils sont là. Sylviane B, les petits papiers, ils sont là. Et Michel G, hop, les petits papiers sont là. Donc, tout est dedans. On continue. Donc, un courrier qui me vient. Ne pas plier, merci facteur. Il l'a pas plié, mais il a marché dessus. Donc, bon. De Sylvie du 50. Avec un très très joli masking tape. Regardez. Avec un cerf. Très sympa. Hop. Allez, on ouvre. La journée commence bien. Hein. 8h01. J'aime bien en fait me lever tôt et me dire que j'ai toute la journée pour profiter. Très joli sachet en tout cas. Hop, hop, ça me gratouille la carte. Félicitations. Alors, voici ma participation. Deux carrés, oui, tac, tac, tac. Les fils avec la couture, nickel. Bon courage pour la couture, oui. Moi non plus, c'est pas ce que je préfère. Tuto de la chaîne Sophie Scrap. Alors, hop. En fait, le mot c'est une petite enveloppe et le mot il est dedans sur l'enveloppe. Ça c'est pas mal. Alors, un petit vert clair. Regardez la pochette comme elle est sympa et le petit stickers. Est-ce que oui, je pense que je vais le récupérer. Hop. Voilà, sur mon pot. Je colle, l'autre jour c'était du masking tape, là je colle un sticker. Hop. Oh, la laine est hyper douce. Ouais, très 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 douce. Un pull doudou là-dedans, hein, on doit être bien. Donc deux petits carrés, hein, voilà. Donc un vert et un rose pâle. Alors, je vais marquer ton nom et la quantité pour mettre pour le concours. Alors, Sylvie. x2. Voilà. Je les pose avec ses potes. Et je vais regarder tout de suite ta petite créa que tu m'as dit. Donc, dans un petit papier sympatoche. En rose, rose poudré. Oui, j'essaye de deviner à travers à travers le papier bulle. Oh, un très très beau tag. Très sympa, vraiment très 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 sympa. Oh là là, c'est très mignon. Alors moi j'en ai fait un aussi, regardez. Hop. Hop, hop, hop. Ah mince, je suis en train de perdre. Oh. Alors, je vous pousse. Forcément, ça bloque. Alors, je vais vous montrer le tag. Hein. Voilà. Alors, donc, dans toutes les couleurs pastel. Fait le 25 février, le thème à vos aiguilles. Voilà. Quand je vois marqué thème, je vois un tag, je fais, oh bah... Pour inventer un nouveau truc, les ATT, les AT tags, ça pourrait être sympa aussi. Regardez, avec le petit tricot là, la petite pelote de laine. Et regardez hier ce que j'ai commencé à faire pour une créa. Parce que je l'ai, j'avais vu ça sur une des créas que vous m'aviez envoyée. Mais j'en avais déjà fait de ça, c'était, je sais plus, pour les 60 ans de mamie.
Voilà, et sur les petites cartes des petites cartes qu'on met sur les menus, quoi, enfin sur les assiettes, j'avais mis la photo de mamie et j'avais mis une petite, j'avais fait des petits tricots comme ça, des mini tricots, voilà, comme ça, trop chou. Je sais pas, je trouve ça super mignon. Et là, toi aussi, t'en as fait, donc nickel. Et l'assemblage, il est vraiment sympa. Ah, je crois que j'ai ça dans les trucs de 3D là. Je crois que j'ai ça. Donc voilà. Hop, hop, hop. Et moi, les petites pelotes, elles sont là aussi. Elles sont à côté de moi. Il faut que je fasse quelque chose avec. Je vous l'ai dit 40 fois déjà. Mais voilà. Mais voilà. Hop là, ça. Il est où le petit mot? Ah, il est là. Hop. Je remets tout dans l'enveloppe pour l'instant. Ah, attendez, il faut que je regarde un truc. Petite pelote. Sophie Scrap. Ok. J'irai voir ça. Mais le tuto, je l'ai déjà vu aussi sur une autre vidéo. T'es pas scrap. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Voilà. Bah, j'irai voir aussi. Ah, attendez, je vais le faire tout de suite. Enfin, je vais pas aller le voir tout de suite, mais je vais mettre sur la chaîne. Hein. Vous avez 2 minutes? Oui, moi aussi. Alors, tac, tac. J'espère que le son n'est pas à fond. Non, il n'y a pas de son. Je cherche ce que tu m'as dit dans le petit mot, comme ça, après la vidéo, j'aurais pas oublié. Ah, oh ben en plus, non, je suis pas abonnée. Ah, ben non, parce que, oui, d'accord. Oui, je suis sur le compte rose bonbon tricot et. Enfin, bon, bref. Bref. Bon, bref. Je suis sur la chaîne, comme ça, je chercherai tout à l'heure. Voilà. Allez, on continue. Est-ce que j'ai marqué? Oui, j'ai marqué. Je suis perdue. Alors, maintenant, Sonia, j'ai du 60 feuquières. Je crois que mes parents faisaient des foires à tout là-bas. Si t'habites par là-bas et que t'avais vu un monsieur avec une grosse moustache toute blanche, bah c'était mon père. Et ma mère qui vendait des poupées habillées comme on fait en ce moment. Et ben bah, c'était ma mère. Voilà, mes feuquières, oui, ça me dit quelque chose. Ou alors c'était des lotos qui vont faire. Je ne sais plus. Hop. Je sens de la laine. Oh. Très mignon. C'est pas, franchement, c'est pas grand chose le petit nœud, mais je trouve que ça fait assez trop mignon. Allez, hop. Alors, j'ai une carte. Voilà. Alors, je vous enlève le petit mot pour vous montrer. Très jolie carte. Très sympa, ça aussi. Vous me donnez des idées, les filles. C'est parfait, c'est parfait. J'en ai besoin en ce moment. En scrap, j'ai besoin d'idées. Nanana, j'espère qu'ils te satisferont. Et ce... Oui, oui, bah oui, les couleurs elles sont nickel. Sonia. Gros bisous à toi, ta petite famille et à mamie Cole. À mamie Cole. Alors, c'est parti. On ouvre le petit nœud. Alors, bah dis donc, tu t'es lâché, t'en as fait beaucoup toi aussi. Alors, un petit point comme ça. Un point fantaisie, parce que je sais pas comment ça s'appelle. Un point fantaisie. Voilà. Un point. Alors ça, je suis pas sûre, mais je crois que c'est chaudron. Mais je suis pas sûre. Hein. Ça fait 3. Ça, c'est très mignon aussi. Un petit jersey en parme. Un petit jersey. Un petit parme en mousse. Un petit mousse tout blanc. On va ouvrir le deuxième petit pactage. Hop. Donc là, mi-côte, mi-mousse. Peut-être que ça a un nom, ça, mais je ne connais pas. Là, on va dire un point fantaisie.
du jersey en rose poudré et deux petits comme ça. Hop. Alors dans la laine il doit y avoir ça doit être une laine à motif, parce que je vois des petites couleurs à l'intérieur. On va les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Waouh. 11 fois. Alors, non, je ne veux pas me tromper. Il est où? Il est là. Le prénom, je l'avais, mais le nom de famille, je l'avais déjà plus. Voilà. Donc, les carrés vont aller avec les carrés. Et le petit mot, hop, et la petite, et tout ça, dans l'enveloppe, dans le carton. Voilà, merci beaucoup Sonia, merci, merci, merci. Hop, peut-être je me trompe, hein, la ville, c'est peut-être pas la bonne, hein. C'est pas grave, mais si je pense quand même, mamie, elle va me confirmer. Ensuite, bah, le dernier courrier du jour, enfin d'hier en fait, qui me vient de Véronique du 93. Oh ben, il y a un grand centre commercial vers chez toi. Il doit être fermé là en ce moment. Hop. Ah, ça colle. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Alors, Coco. Coco, c'est moi. Coco avec macaron. Alors, oh, c'est mignon comme tout ça. Des petites douceurs. Alors, comme promis, je t'envoie les petits carrés de laine. J'ai pris plaisir à les faire, bien que je ne suis pas très tréco. Mais de temps en temps, c'est reposant. Ouais, c'est pas mal. Première carte faite, pas très terrible. Bah, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Les couleurs sont douces. Des petits trucs, des petits macarons, des petites choses comme ça. Un petit nœud. Non, moi j'aime bien. Bonjour à mamie Cole. Mamie a des doigts en or. Alors mamie Cole, t'as plein de bonjours encore aujourd'hui. Hein. Hop, la carte, je la remets tout de suite dans l'enveloppe. Voilà. Et ah mince, mon petit tricot. Hop. Et on va ouvrir les carrés. Oui, j'écris ton nom là déjà. Je pense que ce sont les petits carrés. Hein. Un coup de d'ouverture de courrier. Ah. Voilà, déjà les couleurs, voilà. Alors, regardez, hop, on va détailler. Alors, du petit jersey, un petit rose, un petit blanc, du moucheté, du... J'aime bien quand c'est souple aussi, comme ça, c'est sympa, c'est plus, c'est, ça fait plus doux. Donc, deux comme ça, en laine à motif. Voilà. Deux points mousse, un blanc et un rose. Ça fait 6 et un point comme ça que vous êtes plusieurs à m'en avoir fait, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est mi-côte, mi-point de riz, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Donc ça fait 7 fois 7. Ok. Allez, hop, voilà. Donc je suis encore extrêmement gâtée, hein. Voilà, comme je vous l'ai dit 150 fois déjà, je ne m'attendais pas à un tel engouement pour ce concours. La prochaine fois, je dirais un carré max. si toutefois il y a une prochaine fois, mais je ne pensais pas vraiment
que même les personnes qui ne tricotent pas se sont mis au tricot, ça fait vachement plaisir. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant, ce... toutes les personnes qui m'envoient des créations, des débutantes, des non-débutantes, des tricots, des crochets, des... C'est un truc de fou, hein. Voilà. Hop, donc, tous les... alors, attendez, hop. Dans une main, ça ne tient pas. Si. Je vais les rajouter dans ma bassine. Boum. Ça commence à déborder légèrement, hein. Ah bah voilà, bah je les ai fait tomber, bravo Coco. Hop, il bah y en avait un autre, hein, qui était tombé de la dernière fois. Bon allez, je vous laisse, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit. Tout dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo, hein, voilà. Alors Bambi et moi, on vous souhaite une bonne journée. Allez, bye.